La paix n'est pas un vain mot, dit un dicton populaire. Amdjaras, la capitale provinciale de l'Ennedi-Est, est l'une des villes du Tchad qui accueille beaucoup de Tchadiens venus de différentes provinces. Certains ont passé plus d'une décennie et vaguent normalement à leurs occupations quotidiennes. Parmi les autres étrangers figure un médecin gynécologue obstétricien, Dr Touré Albatour, vit au Tchad depuis 17 ans et à Amdjaras depuis presque une année. Mais moi, y a une petite particularité parce que je vis au Tchad depuis 17 ans. Donc, 17 ans que je côtoie la population tchadienne. Et moi, je trouve que le Tchad est un pays magnifique et la population est vraiment merveilleuse. Je suis venue au Tchad, j'ai été adoptée par la population tchadienne. Depuis 2005 que je suis arrivée, entre-temps, je me suis retrouvée ici. Ici, les gens disaient que oh, c'est dur, c'est comme ça, comme ça. Je suis arrivée, je me suis adaptée. Et la population aussi est magnifique. Je n'ai eu aucun problème avec la population. Quand je fais mes césariennes ou bien quand je fais des accouchements dystociques, quand les sages-femmes m'appellent, elles sont confrontées à des accouchements un peu difficiles et que j'arrive à dénouer le problème. Toujours les parents, ils te donnent une bouteille d'eau et un jus. Donc, nous prenons ça. Je prends et les sages-femmes prennent parce que c'est un soulagement de la part des parents et ils veulent partager leur soulagement et leur joie avec nous. Donc, nous prenons les jus avec eux. Et quand je vais au marché, on m'appelle gynécologue, docteur, gynécologue. Et quelquefois, quand j'achète des choses, il y en a qui m'appellent même, qui ramassent quelques oignons. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi. Je le prends parce que vraiment, ça vient du fond de leur cœur. Et moi aussi, j'accepte du fond de mon cœur. Et une fois, j'étais partie acheter des tomates et des poivrons chez une femme. J'ai payé et elle a fait un petit colis. Elle a dit, ça là, c'est en dehors de ton achat. Je te fais cadeau de ça. J'ai pris. Donc, avec la population, moi, je n'ai aucun problème. Pendant les 17 ans que j'ai passé ici, je ne peux pas passer 17 ans si j'ai des problèmes avec la population. Donc, je n'ai aucun problème avec la population. Moi, je me suis adaptée. Le Tchad est un pays qui m'a tout donné. Et moi aussi, je pense que j'ai tout donné au Tchad parce que j'ai donné la plus grande partie de ma carrière au Tchad. 17 ans amputés de ma carrière, ce n'est pas petit. 17 ans de la carrière d'une personne, ce n'est vraiment pas petit. Voilà. Quelles sont les difficultés? Ça, c'est votre madame. Vous avez expliqué tout de suite. Vraiment, c'est vraiment gentil. C'est vraiment clair. C'est ça arrive au fond de vous. Maintenant, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant votre séjour, particulièrement dans la province de l'Indiès et à Amdias? Est-ce que vous avez des difficultés? Bon, les petites difficultés, c'est... Oui, pas de difficultés professionnelles. Les petites difficultés, partout où j'ai fait le tour, vraiment c'est ici que j'ai trouvé la vie un peu plus chère. Il y a la chérité de la vie, donc les choses sont un peu plus chères et on n'a pas accès à tout. Par exemple, aujourd'hui j'ai besoin de manger de la banane. Je n'ai pas de banane au marché. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai appris que les tomates sont arrivées. Donc, je vais me rendre au marché pour prendre des tomates. Donc, on n'a pas accès à tout moment. Et il y a la chérité de la vie. Quelles sont les difficultés professionnelles que vous rencontrez, s'agissant entre vous et vos patients? Est-ce qu'il n'y a pas une barrière de langue? Bon, j'ai passé 17 ans quand même ici.
j'arrive à communiquer. Et même si je ne comprends pas certaines choses, les sages-femmes me font l'interprète. Et même un sourd muet communique. Donc on communique par les signes, les gestes. C'est aimable. Et ce qu'ils ne comprennent pas bien aussi, les sages-femmes me font l'interprète. Donc, sur ça, il n'y a pas de barrière. Mais, quelquefois, on tombe sur des patients qui ne veulent pas trop, qui ne comprennent pas trop, en fait. Quand on ne comprend pas trop quelque chose, il y a une résistance. Quand on veut les opérer, qu'ils refusent d'être opérés, il faut négocier, il faut bien expliquer. Et ça aussi, ça fait partie du fait qu'ils ne comprennent pas. Si on leur fait comprendre, ils finissent toujours par accepter. Et ça, ce n'est pas tout le monde. Les gens de Ambiarasville ne font pas cette résistance. Les gens qui viennent des camps de réfugiés ne font pas cette résistance. Parce qu'ils sont déjà bien sensibilisés dans les camps. Cette difficulté nous vient souvent de Bao. Les gens de Bao, on les dit, yo, Bao, c'est un peu difficile. Donc c'est eux qui nous posent un peu cette résistance. Sinon, à part ça, et même ça, quand on leur explique, on arrive à les convaincre et puis c'est fini. Et puis, quelquefois, c'est comme ça. Quand les gens refusent, ils n'ont pas tellement confiance. Tu fais, tu réussis. Un premier cas. Tu réussis un deuxième cas. C'est eux-mêmes qui vont se passer l'information. Finalement, quand ils reviennent, ils ne font plus de résistance. Docteur Samagui est chirurgien généraliste burkinabé dans le même hôpital. Il dit avoir quelques difficultés à s'adapter. Je peux d'ores et déjà dire que je suis là depuis 2021. Depuis mars 2021, donc ça fait déjà un peu plus de 2 ans que je suis là. Et en ce qui concerne la cohabitation vraiment avec la population, d'abord j'ai eu un bon accueil, un très bon accueil. Il y a des autorités même coutumières et même religieuses qui m'ont accueilli ici. Voilà, et c'est rare, vous n'allez pas voir ça dans certains endroits où un travailleur, même d'une autre nationalité, part pour travailler. Voilà. Donc ça, c'était déjà marquant. Voilà. Et en plus, avec la population dans l'ensemble, vraiment, dans la vie courante, la cohabitation est vraiment très bonne, sinon même excellente. Voilà. Bon, avant d'arriver ici, il y avait beaucoup d'appréhension. Bon, chez nous, par exemple, au Burkina, on a une image. Par exemple, on pense que le Tchad, c'est un pays exclusivement musulman. Alors, moi, je suis d'une autre confession religieuse. Donc, il y a certaines a priori. Mais dès que je suis arrivé ici, j'ai vu que vraiment c'est ce qui m'a le plus marqué. Voilà. Parce que chacun pratique sa religion sans rentrer dans, dans l'histoire de l'autre. Quoi. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup plu. Donc dans l'ensemble, en tout cas, la vie communautaire, vraiment, il n'y a pas de problème. Là où en tout cas, j'ai rencontré quand même des difficultés, c'est dans la pratique, dans ma pratique de médecine à l'hôpital. Bon, je ne parle pas l'arabe, alors que c'est ce que tout le monde parle ici. Donc ça, c'est déjà une barrière de langue qui peut amener des incompréhensions. Et au-delà de ça, j'ai remarqué que les gens ont une autre compréhension de la médecine, ou une compréhension de la médecine qui n'est pas la bonne.
Par exemple, les malades, ils viennent souvent avec leur maladie. Bon, ils pensent connaître la maladie. Ils pensent savoir c'est quel examen il faut pour la maladie. Ils pensent savoir c'est quel traitement il faut pour la maladie. Donc, ils viennent dans l'intention que le médecin avalise ça. Bon, moi, en tant que médecin, quand je vois que c'est pas le chemin, c'est pas ce à quoi ils pensent, et quand je propose autre chose, c'est là vraiment souvent qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Sinon, vraiment, dans l'ensemble avec la population, il n'y a pas de problème. Oui, il y a une autre difficulté que je dirais, une difficulté majeure. En général, les gens n'aiment pas la chirurgie. Voilà. Donc, dès qu'on parle d'une maladie qu'il faut prendre en charge chirurgicalement, la première des choses, c'est un refus. Bon, avec le temps, il y en a qui ont commencé donc, à accepter la chirurgie. Je pense d'abord que c'était, par exemple, le fait d'abord qu'on ne me connaissait pas. Voilà. Et le fait de m'avoir connu, ben, je suis là depuis quand même un bout de temps. Donc, il y en a, bon, ils acceptent sans trop de difficultés. Voilà. Bon, je n'aimerais pas incriminer une population, mais particulièrement, il y a la zone de Bao. Ça, c'est totalement difficile avec la chirurgie. Voilà. Dès qu'on parle de chirurgie, toutes les portes sont fermées ici. Voilà. Donc, bon, on a approché l'administration qui est au courant du problème, on a exposé le problème, on a exposé donc le problème aussi au niveau de la délégation, et il y a des approches donc des MCD, du délégué, et je sais même aller au-delà, donc avec d'autres autorités locales pour enfin amener les gens à comprendre que c'est une nécessité. Voilà. Donc bon, l'un dans l'autre, on arrive à convaincre. Quand je n'arrive pas à convaincre le patient, je lui fais une référence dans une autre structure. Et quand on lui propose le même traitement, bon, il se dit après, ah, ok, donc il ne m'avait pas menti, il ne voulait pas juste m'opérer. Et ça aussi, ça amène des changements. Voilà, surtout, bon, enfin, il y a une gynécologue qui est là actuellement, sinon elle est arrivée juste l'année passée. C'est moi qui faisais les césariennes. Et vraiment, c'était difficile. On a vu beaucoup de cas où on a failli perdre la femme à cause des refus. Bon, enfin, on ne peut pas obliger quelqu'un, surtout un adulte, on ne peut pas le traiter contre son gré. Donc, il faut toujours essayer de convaincre. Donc, tout ce qu'on fait, on essaie de lui expliquer la maladie, de lui expliquer les complications qui peuvent survenir si le traitement chirurgical n'est pas mené, ou bien lorsqu'il est mené encore un peu plus tardivement. C'est nos limites, en fait. Voilà. Ailleurs, par exemple, j'ai vu des cas où lorsque c'est un adulte qui refuse une prise en charge, bon, on le laisse tranquille, c'est l'adulte. Mais lorsque c'est un enfant, c'est-à-dire que lorsqu'un parent amène son enfant pour une prise en charge, et on dit qu'il faut une prise en charge chirurgicale, lorsque le parent refuse, par exemple, on est obligé, on fait le point à la gendarmerie. La gendarmerie qui contacte un procureur, ainsi de suite, et on met le parent devant la situation. Ça a amené beaucoup de gens à comprendre. Mais bon, c'est un peu forcé. Étant une ville où se développent de plus en plus les activités commerciales, la ville d'Amdjaras attire Dimasra Dorkemgar. Et lui aussi commerçant, venu de Mundu, il a déjà 7 ans et devient presque un fils de la localité. En ce qui concerne la cohabitation pacifique, je sais qu'ici, on se cohabite très bien et on n'a pas assez de difficultés. On se convient très bien. Pourquoi? Parce que entre les sudistes, les nordistes, les musulmans, les chrétiens, quand on se retrouve là, c'est peut-être dans des cérémonies. Il y a des cérémonies où, par exemple, la fête des musulmans, par exemple, quand ils organisent quelque chose, c'est les chrétiens qui envahissent
leur lieu de fête. Et quand c'est nous qui organisons peut-être fête de fête d'année, soit fête de Noël, qui est la naissance de Jésus, eux aussi, ils viennent. On se retrouve, on mange, on bavarde, on se partage la connaissance, on fait des relations amicales entre nous. Donc, on n'a pas assez de difficultés dans ces cas. Et de deux, le milieu ici, c'est vrai. Ce qui nous encourage vraiment ici, c'est parce qu'on est en sécurité. Les autorités sont proches de nous. On a des difficultés même à une heure, peut-être quand tu as un souci. Bien sûr, dans tous les lieux, il y a des soucis, il y a des problèmes, mais la force d'un citoyen, quand tu es en danger ou bien tu as un petit souci, tu prends téléphone, tu appelles la force de sécurité. Rapidement, les gens sont à tes côtés. Ça nous rassure que ici, c'est un milieu où on est tranquille avec les uns et les autres. On n'a pas tellement de difficultés. Bon, d'autre part, les gens qui viennent d'Ambrousse même, c'est des gens qui ne sont pas habités dans la ville et tout, mais quand ils arrivent là, ils suivent le pas de ceux qui sont dans la ville. Ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas violents, sauf qu'il y a problème de communication parce que ceux qui viennent d'Ambrousse, tout ça là, il y a des gens qui... Il y a certains qui ne connaissent pas parler l'arabe, par exemple. Et de notre côté également, du sud là-bas, il y a des gens qui arrivent au fin fond du village là, ne comprennent pas l'arabe, ainsi que même la langue locale. C'est ça qui pose un peu de problème, mais toujours est-il que, même si c'est langage de sourds, il y a toujours communication. Quand l'autre n'insulte pas l'autre, c'est que tout est très bien. Donc c'est peut-être sur la communication qui manque un peu par rapport à la langue, surtout, c'est lié à la langue. Mais sinon, d'une manière ou d'une autre là, ici, on est tranquille. Par exemple, c'est depuis 2015 que je suis ici en Biarras. 2015, je n'ai jamais fait la gendarmerie par rapport à un conflit ou un problème avec celui ou celui-là, ni commissariat, ni la justice. C'est que la ville est bonne à vivre déjà. J'ai duré, je n'ai pas été agressé, on ne m'a pas battu. On ne m'a pas insulté, ni j'insulte quiconque que ce soit. Donc, c'est pour résumer là, ici, on est en parfaite cohabitation pacifique. Ce n'est pas pour dire que da Douma, da Sara, da Kirdia, da musulman, là, voilà. C'est des situations qu'on n'a pas vécues ici. Donc, franchement dit, on est tranquille, on n'a pas de soucis avec les autochtones. Finalement, nous-mêmes, on est devenus déjà des autochtones parce qu'on a fait, on a duré ici, on n'a pas de difficultés. Donc, cela prouve qu'on est dans notre village. Je ne peux pas dire que je suis chez les gens, non. Par rapport à mon parcours ici, mes années, tout ça, je deviens déjà le fils de la localité. Pour les autochtones, il est normal de vivre en harmonie avec leurs frères tchadiens, mais aussi avec les ressortissants étrangers qui ont choisi de s'établir dans la capitale de l'Enedi-Est. Entre-temps, c'est une petite ville, mais compte tenu de la décentralisation, c'est devenu une province et on accueille pas mal de gens des différentes provinces, du nord au sud. Tout le monde vient s'installer ici. Comme tous les Tchads, appartient à tous les Tchadiens. Et Amdjaras accueille de nombreuses différences ethniques, religieuses, mais on ne peut pas tenir compte de ce genre de distinctions. Il n'y a pas de discrimination raciale ni ethnique. Tout le monde vivait comme chez lui. De plus en plus, la cohabitation pacifique s'est construite. De plus en plus, les Tchadiens apprennent et acceptent de vivre ensemble. Les différences ethniques sont des atouts pour le Tchad. C'est ce qui se concrétise dans la province de l'Enedi-Est. À Amdjaras, il y a foisonnement des religions, comme le confirme Cheikh Adam Abdallah Moussa, président provincial du Conseil supérieur des affaires islamiques. Nous avons le débat de l'Ikhtilaf al-Din.
Ensemble avec les autres leaders religieux, avions fait des efforts pour ne pas qu'il y ait des conflits entre nous. Chaque cérémonie que nous organisons, on les invite. Même pendant nos ramadans, nous avons organisé des ruptures collectives. Même son de cloche pour les fidèles de l'église évangélique d'Amdjaras. Besangé Dorum en est le pasteur. J'étais ici depuis 2021. Nous sommes en train de vivre d'une manière et d'une autre dans la paix. La ville m'a très bien accueilli. Même avec les autorités, nous sommes ensemble. La population d'Amdjaras, comme tous les autres peuples du Tchad, moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de vivre d'une manière et d'une autre dans la paix. Ma tête, comment les Tchadiens doivent-ils vivre ensemble dans la paix et dans l'amour parfait? Est-ce de nos langues, nos tribus, nos ethnies ou nos religions peuvent nous diviser? Est-ce que c'est ces religions ou c'est les différentes ethnies qui nous fait que c'est l'impératif, car le pays ne sera développé que si nous n'avons pas la même pensée, la même compréhension de notre hymne national, de notre devise, la multiplication des appels à vivre ensemble sera vain. Idem pour Dingam Toudji Philemon, responsable de l'église catholique d'Amdjaras. Alors, en ce qui concerne la cohabitation pacifique entre les différentes religions, entre les autochtones et les non-autochtones, je trouve que c'est très bien. La cohabitation pacifique, le vivre ensemble, la cohésion sociale et le bon vivre étaient vraiment appréciés. J'étais très content. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que à chaque fois, avec mes frères de la confession religieuse musulmane, nous nous sommes retrouvés pour pouvoir discuter. Nous nous sommes retrouvés pour pouvoir prier ensemble. Et nous avons initié une prière œcuménique. Œcuménique, c'est-à-dire que l'Église catholique, l'Église EET, ACT, et puis au niveau de la Grande Mosquée, nous nous sommes retrouvés pour prier ensemble pour la paix, pour la cohabitation et pour le vivre ensemble. Invités, et cela est en présence des autorités administratives, civiles et militaires, et aussi pour la population résidente d'Amdjaras. Alors, pour moi personnellement, au nom de mes collègues et autres, nous apprécions cette cohabitation. Et ça va tout droit au cœur. C'était vraiment bien. Nous sommes ensemble, on cohabite ensemble, on se promène ensemble. Et dans des réunions autres, nous nous sommes retrouvés et nous causons ensemble, nous buvons ensemble, nous mangeons ensemble. L'appel à la cohabitation pacifique entre tous les Tchadiens est un impératif. Et travailler pour cultiver le dialogue social et l'entente entre les différentes couches de la société doivent être les piliers principaux de la tolérance. Maïna Adoum, chef de communauté Melbené à Amdjaras. Il y a des problèmes, on est ensemble, on a toutes les choses arrivent, on est resté ensemble. Dans la plupart des cas, ce sont des personnes en quête du travail, mais aussi des élèves ou autres. C'est ce que confirme Passale François, chef de communauté Moundang à Amdjaras. Depuis que je suis à la tête de la communauté Moundang, on n'a pas eu un problème avec toutes les communautés, même les autochtones. Nous vivons en cohabitation pacifique. L'équipe islamique, au moment de leur fête, on m'appelle parfois, je réponds. Que 3 mois aussi, j'organise une réunion avec toute ma communauté, surtout ma population, pour leur conseiller de bien vivre. Parce que nous, le jour de notre nomination à la tête de cette communauté, nous avons donné un proverbe que le scorgo
quand vous connaissez tout, l'escargot, il se déplace avec sa case. C'est tout comme nous aussi, le Mundan. Nous, le Mundan, nous sommes un peuple respectueux. Nous sommes un peuple qui considère aussi la communauté. Certaines communautés, on respecte aussi certaines communautés, tout comme certaines nous respectent aussi. Et nous sommes une communauté qui a des lois et on se respecte. C'est pourquoi nous, on se déplace avec notre respect, notre coutume. C'est pourquoi ici, je venais de dire, chaque année, on organise une fête traditionnelle Munda. Le sultan de Darbilia, Sidik Timan Debi, joue le rôle de l'unificateur et de pacificateur dans son ressort territorial, rêve d'un Tchad uni où il n'y a pas de différence entre les communautés. Le Tchad, notre chère patrie, et pour toute la population tchadienne, par ma voix et par la voix de la population de l'UNIDI-Est en général. Depuis la disparition tragique du maréchal du Tchad, les autorités de la transition n'ont ménagé aucun effort afin de préserver la paix dans notre pays. Et c'est ici que je voudrais féliciter nos autorités et féliciter aussi le peuple tchadien de la conservation du paix dans notre pays. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Tom Djerou Asugia, salue également la maturité de la population tchadienne en général et celle de la province de l'Enedi-Est en particulier. Les Tchadiens, dans leur ensemble, s'estiment, mais ici à Amdjaras, ceux qui y vivent sont exceptionnels. Le vivre ensemble est le vœu le plus ardent du chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Au vu des différentes interventions, Amdjaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est, reste et demeure un exemple du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et de l'unité entre les différentes communautés qui y vivent. Un bel exemple qui doit inspirer d'autres provinces à cimenter l'unité nationale, surtout en cette période cruciale de la refondation du Tchad.